En Thaïlande, le procès qui s'est ouvert ce mardi contre un militant britannique ne passe pas inaperçu. Andy Hall, un expert des migrations, est poursuivi pour diffamation. Il a rédigé un rapport pour l'ONG finlandaise Finnwatch, accusant le groupe agroalimentaire thaïlandais Natural Fruit de faire travailler des enfants et notamment d'être impliqué dans le trafic d'êtres humains. Il s'agit de persécution, a dénoncé ce mardi Andy Hall. C'est un procès politique pour essayer de me faire taire et me faire quitter le pays. Je révèle des choses que le gouvernement et l'industrie ne veulent pas qu'on révèle. Andy Hall, dont le passeport a été confisqué par les autorités, risquerait jusqu'à 7 ans de prison. Natural Fruit demande également 10 millions de dollars dans une procédure civile pour fausse déclaration aux médias. Le PDG du groupe a indiqué que le rapport rédigé pour Finnwatch lui avait porté préjudice. Natural Fruit fournit notamment le marché européen en jus. Andy Hall dénonce sans relâche les violations des droits des sans-papiers de Thaïlande, venus notamment du Cambodge, de Birmanie et du Laos.